Bon matin à tous, bienvenue à cette dévotion du mercredi. Le verset qu'on va lire ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » Vous avez sûrement déjà lu ce verset-là en tant que chrétien, vous l'avez sûrement déjà lu plusieurs fois, moi aussi. Et quand l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit ce verset-là à l'église de Corinthe, et lorsqu'il leur dit ça, il fait référence à l'idolâtrie. Il y a un contexte où ce qui parle d'un contexte d'idolâtrie où ce que les gens autour de Corinthe et même des gens dans l'église de Corinthe louaient, donnaient gloire à des statues. Nous, c'est pas notre réalité du tout aujourd'hui, c'est pas notre contexte. Mais j'aime le fait que l'apôtre Paul utilise cette image-là. C'est intentionnel lorsqu'il parle, lorsque vous êtes debout, faire attention de ne pas tomber. C'est intentionnel. Mais derrière cette intention-là, il parle au cœur, il parle à leur cœur. Il dit à l'église de Corinthe, aux gens qui sont à Corinthe, il dit « Faites attention à vos cœurs ». Et moi, lorsque je lisais ce passage-là en me préparant pour ce moment de dévotion, je pensais à un de mes collègues pasteurs que je ne connais pas, mais que j'ai eu l'occasion d'entendre prêcher à plusieurs reprises et que lui n'a pas fait attention à son cœur durant les derniers mois et s'est complètement éloigné de Dieu, a eu une chute morale. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui arrivent à des pasteurs. Moi, ça m'a parlé, ça m'a interpellé et je pense que ça m'a forcé moi-même à me poser la question, à me dire comment va mon cœur? Parce que lui-même a pris le temps de faire une publication sur les médias sociaux pour dire voici qu'est-ce qui est arrivé, voici ce que j'ai fait et a pris le temps de dire mais je n'ai pas gardé mon cœur. Moi, ça m'a challengé. Au lieu de le juger, de me dire, de le pointer du doigt, moi, demandé des questions. Comment va mon cœur? Qui m'aide à garder mon cœur? Est-ce que j'examine mon cœur sur une base régulière? Est-ce que je remets mon cœur à Dieu sur une base régulière? Moi, je me suis posé la question en toute honnêteté, puis je vous la pose ce matin à vous. Comment va ton cœur? Qui t'aide à garder ton cœur? Est-ce que tu examines ton cœur sur une base régulière? Est-ce que tu remets ton cœur à Dieu sur une base régulière? Puis c'est Jésus qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis ça peut être banal, hein, dans une société où on est une société de performance, qu'on est une société d'image, où on met beaucoup d'attention sur l'extérieur, mais rarement sur notre cœur. Mais si on regarde ça des fois par rapport à l'exercice physique, hein, on sait que si on ne fait pas attention à notre cœur, ben on peut avoir une crise cardiaque. Si on ne fait pas attention à notre cœur peut être défaillant. Puis moi, mon père est décédé, il a fait un arrêt cardiaque. Mais il faut faire attention à garder notre cœur spirituel aussi. Je m'adresse à toi ce matin, ton cœur ne va pas bien. Tu as besoin d'une réanimation spirituelle, mais aujourd'hui est le bon moment. Pas demain, pas dans quelques années, c'est aujourd'hui. Puis je vais te donner trois choses à faire, très pratiques. Examine ton cœur. Examine ton cœur alors que tu vas écouter ce moment, cette réunion-là, tu vas écouter cette capsule-là. Examine ton cœur, demande à Seigneur, prie. Seigneur, comment va mon cœur? Comment va mon cœur, Seigneur? Puis Dieu va te le révéler, je suis convaincu que si tu le demandes, il va te le révéler. Et deuxièmement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à quelqu'un. Moi, j'ai cette habitude-là, puis j'aimerais le faire plus souvent. On se voit moins en pandémie. J'ai cette habitude-là, une fois par mois, d'essayer de voir un ami, puis on se pose des vraies questions sur nos cœurs. Des questions que très intimes, où on se demande comment va ton cœur, comment va tel aspect de ta vie, justement pour ouvrir notre cœur, pour garder notre cœur, pas que des choses comme mon collègue, ça lui est arrivé, puis ça arrive à plusieurs chrétiens. Donc, je t'invite à avoir cette discipline-là, cette redevabilité-là, de dire « j'ouvre mon cœur à quelqu'un d'autre ». Et troisièmement, fortifie ton cœur. Si tu veux justement, on faisait l'allusion au cœur physique, si tu veux que ton cœur soit en santé, tu dois faire du cardio, tu dois le muscler ton cœur. Mais tu dois aussi muscler ton cœur spirituel pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir être proche de Dieu, pour pouvoir justement avoir une influence sur les gens qui sont autour de toi. Fortifie ton cœur en lisant ta parole, fortifie ton cœur en ayant une relation avec Dieu, en parlant avec Dieu, en vidant ton cœur à Dieu. Tu peux dire à Dieu les choses qui sont sur ton cœur et qui sont lourdes pour toi, des choses qui te blessent, des choses qui te font mal. Parle à Dieu, je te garantis, ça va fortifier ton cœur d'avoir cette intimité avec lui. En terminant, je vais prier avec toi. Je vais prier pour ton cœur. Seigneur Jésus, je te prie pour nos cœurs. Moi, je te prie pour le mien.
Je te prie pour le mien, que je puisse continuer à garder mon cœur, mais je te prie pour les gens qui vont écouter, les membres de Mosaïque qui vont écouter cette capsule ce matin. Seigneur, qu'on puisse ensemble garder nos cœurs, faire attention à nos cœurs. On veut, Seigneur, aujourd'hui, si on doit avoir une réanimation spirituelle, aide-nous à le faire par ton Saint-Esprit, qu'on garde nos cœurs et qu'ils gardent nos cœurs, Seigneur, plus proches de toi. Amen. Bonne semaine à tous. On se voit pour la discussion du vendredi.